Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, comme promis, on va s'attaquer à Black Ops. Je vous avais dit que on allait le faire une fois que je l'aurai fini en let's play, donc c'est parti car je l'ai fini. Allez, go, campagne, choix de mission, voilà j'ai tout fait. Donc on recommence au début. Bon, peut-être en chier un peu plus, mais. Lancé, parti, go. Je me tairai lors des cinématiques pour que vous puissiez en profiter le plus possible. Voilà, pour moi, mon avis personnel sur ce jeu, c'est que franchement, je l'ai surkiffé quoi. Juste le mode solo parce que j'ai pas trop joué au mode. Au mode, comment dire, en ligne. Du coup, voilà. Allez, c'est parti. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les graphismes sont à fond. Donc, voilà mes armes. Enfin, c'est plutôt celui-là, ensemble d'armes préférées. Et graphisme, je vais vous y faire voir tout de suite. Avancer, qualité des textures, bon, ok. Je sais pas pourquoi c'est en faible. Heureusement que j'y regarde tout de suite. Vague 2 suffit très bien. Dynamique. Ok. Oh, ça c'est pas la peine. Voilà. Bon, maintenant vous voyez, je suis au plus haut. Appliquer, oui. Voilà. J'ai le PC pour maintenant. Faut en profiter. C'est parti, les amis. On part pour la première mission. Donc les formats des épisodes sera. Les bioaméliorations sont devenues monnaie courante dans les pays développés. Les autorités sont dépassées par l'envergure de la tragédie. Les super tempêtes continuent de frapper la région, empêchant les secours d'intervenir. Nous vivons des temps incertains. Notre futur dépendra des choix que nous sommes en train de faire. À mesure que la population se développe, des mégacités émergent dans le monde. Les conditions extrêmes ont provoqué un vaste exode des habitants à s'y chasser. L'accord Winslow était en état d'alerte ce matin. La défense aérienne à énergie dirigée a neutralisé la menace sur le champ. Un nouvel affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre s'est terminé en bain de sang. Soyons réalistes. Ceci est une nouvelle guerre froide. Nous ne voyons pas toujours nos ennemis, mais ils sont bel et bien là. Je suis Jacob Hendrix, votre nouveau chef. Voici le ministre égyptien Saïd. La NRC l'a pris en otage il y a 2 jours. Après les émeutes du Caire, ils vont vouloir en faire un exemple. Le punir. On ne doit pas les laisser faire. Qu'on soit bien clair, si le plan foire, vous n'avez jamais existé. Et voilà. Donc je disais juste avant la scène cinématique. La NRC sera bientôt là. On a environ 1 minute pour créer une putain de diversion. Un épisode est égal à une mission. Donc qu'il soit long ou court, ce sera comme ça. Bien reçu, on détourne le trafic vers la piste 1-1. Cargo 4019, on a un feu de carburant sur la piste 1-9. Modifiez votre trajectoire pour atterrir sur la piste 1-1, confirmé. Hé, hey, pourquoi la porte est fermée? Confirmé, on arrive sur la piste 1-1. Ok.
À vous. Ok, module de piratage en place. Recalibrage du système d'aide. On a de la compagnie. Contrôle manuel du système d'aide. Sélectionnez une cible. Saisie confirmée. Paramètres de cible acceptés. Contrôle, on apparaît en cible verrouillée. Nous sommes des alliés de la NRC. Tout a l'air normal ici. Peut-être un problème technique. Tirez, maintenant. Je tire. Le système d'aide attaque la cible. Feu. Ouvre ton corps. Oh merde, descendez. On l'en direct atterrissage. Allez, qu'on en finisse. Taylor, la version est en cours, l'appareil est posé. Bon, oui, pour ceux qui, enfin, qui regardent sur ma chaîne, j'ai déjà fait cet épisode, mais pas avec ces graphismes-là. Bon, c'est pour ça que je le refais en ultra entièrement. Bon, descend, chef. Allez, descend. Faut que tu casses sa gueule, allez. Ce crash va les occuper un moment. On devrait pouvoir passer discrètement avec cette uniforme. Ok. Tant qu'on doit parler à personne. C'est ça, boucle-la. La salle de surveillance est de l'autre côté, dans les tunnels. Une fois sur place, on pourra trouver la position exacte du ministre. Armes et tête baissées. On reste cool jusqu'à ce qu'on ait la cible. Oui, chef. Je suis juste derrière. Non, tu me passes pas, toi, c'est tué. Donc c'est un jeu réalisé par Treyarch. Enfin, Call of Duty, c'est plus trop la peine de te présenter. Pour ma part, je l'ai acheté sur Instant Gaming. J'avais acheté 29€ à l'époque, et un peu plus augmenté là. C'est mon partenaire. Voilà. J'ai le droit de te tuer. Il y a vraiment de temps, ça, chef. Taylor, on est au poste de sécurité. On va le sécuriser. Je t'entends, Hendrix. Donc c'est je joue parti. À la manette Xbox 360. Et franchement, ça va pas trop mal. Bon, tu es rapide pour faire ça. Malgré qu'il marche lentement. Allez. Je neutralise les alarmes de l'étage. Branchez-vous et localisez le ministre. Taylor, le scan est en cours. En attente de reconnaissance faciale. D'autres otages. Je croyais qu'il y avait que le ministre. Moi aussi. Les fils de pute. La NRC est connue pour sa brutalité. Taylor, tu savais qu'il y avait d'autres prisonniers ? Le ministre est la seule priorité. Compris. Canal suivant. On va les laisser se faire torturer ? On a des ordres. C'est pas ça. C'est lui, c'est le ministre. Il le déplace. On doit trouver où il l'emmène. Eh oui, il l'emmène par là, regarde. On va l'emmener de là. Bingo. Identité confirmée. Maintenant, on sécurise. Combien de temps ? 2 minutes. 2 minutes ? Je te chronomètre. Cet enfoiré a jamais eu d'humour. T'as l'air de parler par expérience. Crois-moi, c'est le cas.
Non, le piège tire partout. Il est trop bien cette arme. Artilleur en haut! Et voilà, y'a personne en bas. Il a tué. Cellule droit devant, avec moi. Ah, ça trace plus déjà, c'est mieux. En force, allez go. On va couper la rondelle. Je passe devant, regarde comment ça se présente. L'interrogateur est dos à la porte. Deux sentinelles à l'intérieur, au repos. À mon signal. 3. Quand tu veux. 2. Go. On est venu vous évacuer. Faites ce que je dis et vous sortirez d'ici vivant. Et pour le lieutenant Khalil et les autres? Désolé, pas le temps. Khalil était un héros de la révolte du Caire. Ça fait de lui un atout précieux pour la propagande. Ils vont en faire un exemple. Merde! Ok, on y va! Ah, quand tu veux, hein. Voilà, c'est lui! Allez vers la porte, je vous couvre! Je vais détacher ce malheureux! Monsieur le ministre. Khalil! Hendrix! Prêt à vous battre, Khalil? Toujours. Très bien, on va prendre une arme dans ce casier là-bas et la reprogrammer avec vos infos biométriques. Ah, merde. On dirait qu'ils en ont après nous maintenant. On bouge! Taylor, cible plus 1 récupérée et en approche. Plus 1. Vos ordres étaient pourtant d'évacuer le ministre. C'est le lieutenant Khalil. Vous connaissez? Continuez d'avancer. On se retrouve là-haut. Le dépôt devant sera bien défendu. Ne lâchez rien, surtout. Bien, chef. Voilà notre porte de sortie. Le monde charge de l'autre côté du pont. Allez! Restez pas à découvert! Je m'en fous de. On pourrait d'après. Ça chauffe pas. Vu. Le monte charge est là-bas. On doit accéder au hangar. Voilà. Charge. J'y suis. J'aime bien les détails de ce jeu, ils sont vraiment beaux les personnages. Lâchez vos armes! Laissez-les! Maintenant! On est mort si on fait ça. Croyez-moi, on est mort si on le fait pas. Lâchez-les! Avancez! T'es en retard.
Ton chrono imaginaire est rapide. Content de te voir, Jacob. Moi aussi, John. T'as l'air différent. T'es toujours avec Rachel ? Ça n'a pas collé. Désolé. Du sang neuf. Prends-en soin comme t'as pris soin de moi, ok ? C'est pas drôle, mon vieux. On est toujours prêt à évacuer ? Les charges sont posées. Ok, c'est parti. On a 10 minutes. Diaz, t'es de corvée de babysitting. C'est parti. Suivez-moi. Je te suis. D'abord prendre des munitions, je te suis. Je te mets devant moi. On entre dans le hangar suivant. On va faire les choses bien. D'accord, les choses bien. Contre ce BVT. On doit détruire cette adam. Visez les missiles. Voilà. Regarde les explosions comme c'est bien fait. Le BVT est hors course. Diaz, sur position. Bien reçu. Hendrix, rejoignez Hall de l'autre côté du hangar. Une charge. Bon, par contre, je suis pas le meilleur joueur de ce jeu, hein, je vous le dis. Les munitions. Mon précieux. Allez, prends. On va en avance. Essayez de suivre, ok ? D'accord. Ce véhicule technique est à moi. Ouvrez-moi. Ah, ok. Il est blindé, le mec. Normalement, je peux tirer au bois avec. J'adore cette arme. Oh. Pas de bol. On va devoir s'occuper de ces blindés pour traverser le point juste devant. On y va. À couvert. Des balles anti-charge, j'ai dedans blindé. Des renforts arrivent par le pont. C'est quoi le plan? Merde. Plan B. On fait sauter le pont et on va au point d'exfiltration secondaire. Taylor, le point d'exfiltration principal est compromis. On va au point secondaire. Bien reçu. Rejoignez la position au tel tango. On va utiliser les VBT. Bien reçu. Allez, j'accède au système électrique du bâtiment. Munition. Attention, nombreux ennemis dans la salle de communication. C'est pas grave. Moi je fonce. Allez.
la lumière. Quoi? Tu veux qu'on se batte dans le noir? Et pourquoi pas? J'envoie les infos sur votre ATH. Ouais. N'oubliez pas, il n'y a pas de vision nocturne. Allez-y doucement, tu fais un par un. À couvert! Utilisez votre avantage. Allez, utilisez l'avantage de l'activation des infos tactiques. Et maintenant, la DAF nous a repérés. C'est pas grave, la DAF. Du câble, ne tirez pas, il est à moi. Putain, les autres, ils tirent. Normalement, on se fait pas tuer là. Voilà. Je me planque, m'en fous. Et maintenant, la DAF nous a repérés. Du calme, ne tirez pas, il est à moi. Satellite. Un véhicule va venir vous chercher. Tu m'as pas répondu, John. Continuez. Le point d'exfiltration secondaire est droit devant. Il n'y a aucun ennemi qui m'échappe. Vous avez entendu ça? T'entends des voix, Mariti? Ton doigt magique fait bugger tes oreilles. Hé hey, va te faire foutre. La ferme. T'entends aussi. Écoutez. Ah d'accord. Putain de merde. Contact! Contact! Les robots d'assaut de la NRC arrivent. Et ils sont nombreux. Faut ouvrir cette porte maintenant. Couvrez-nous. Entrez là-dedans. Allez au point d'exfiltration. On s'occupe des robots. Quand vous voulez, vous parlez. Taylor, c'est bon pour nous. On prend la suite maintenant. Les autres otages qu'on a vus, tu pourrais les faire sortir. C'est pas notre priorité. C'est peut-être pas notre priorité, mais c'est quand même des gens, putain. T'as changé au point d'avoir oublié ce que c'est que d'avoir des sentiments. Eh oui. Ok, changement de plan. Hendrix, ton équipe escorte le ministre vers l'exfiltration. Nous, on retourne chercher les otages. Encore des robots. T'en fais pas pour ça, on est conçus pour s'en occuper. Allez, tire-toi d'ici! Je vais où, moi? Je vais aller à celle-là. Je prends le volant, mets-toi à une tourelle. Je veux y aller à la tourelle. Y'a toute une chienne de bots qui fonce sur nous. Faut concentrer nos tirs sur cette anime. Faut qu'on fasse un détour. Accrochez-vous. Dans l'explosion. Coucher, toi. Adam en approche. Concentrez vos tirs sur lui. Des fois, putain, c'est ta merde à caler. Tenez-vous. Hendrix, faut démarrer cet engin. Parce que c'est pas ce que j'essaie de faire, peut-être. Allez, démarre, saleté. Retenez-les. Cet affaire, il va pas nous lâcher maintenant. Ah là là. Adam, trois bombes. Faut s'en débarrasser.
secondes. J'envoie les coordonnées de largage. Hendrix, on a pu sauver d'autres otages. Faites sortir le ministre de là. On file au point de rendez-vous secondaire avec 4 cibles de plus. On sort de la route. Route d'exfiltration en vue. Merde, on arrive trop vite. Exfiltration arrive, accrochez-vous. Capsule détachée, espace aérien non viable pour exfiltration. Le drone va faire un deuxième passage. Les renforts de la NRC arrivent par la gauche. Monsieur le ministre, est-ce que ça va? Aïe, j'étais sûr que j'allais encore crever. Je sentais. Oui, on va d'abord aller là-bas. Les renforts de la NRC arrivent par la gauche. Monsieur le ministre, est-ce que ça va? Redirigez vos tirs. Mais bien, s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. Faut qu'on se tire. Il faut qu'on se tire maintenant. Retenez-les. On met le ministre en position. Le drone concentre ses tirs sur des cibles. Un bug de fond, là. Faut qu'on en finisse, les gars. Tenez bon, on va y arriver. Occupez ces enfoirés de la NRC. Le drone est en position, prêt à vous prendre. C'est bon, amenez-vous ici maintenant. Amenez-vous ici maintenant. Allez, allez, oh allez. Non, le drone est prêt à partir, fin de l'évacuation. Négatif, espace aérien compromis. Non, 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 merde. Montez dans le VBT, tirez-vous de là. Taylor, on est prêt à l'exfiltration. Il y a des bottes de la NRC, on approche. On approche, 2 minutes. Tenez bon, vous allez pas mourir aujourd'hui. Non mais ça fait bobo quand même. Aïe. D'abord dans une boîte de conserve. J'avais dit que ça faisait bobo. Légèrement gore. Aïe, ça fait bobo. Niveau 15. Où suis-je? C'est bon. Du calme. Relax. Tout ira bien. On a été plus malin. On a atteint nos buts. L'homme fera toujours mieux que la machine. Malheureusement, vous avez de bien vilaines blessures. Vous êtes stable, mais va falloir du temps. Qui êtes-vous? C'est moi, Taylor. Il faudrait peut-être vous réveiller. Non? Tu sais ce qui se passe? Est-ce que je rêve? Bah, si on veut, ouais. Autant y aller carrément, hein. Après tout, tu peux toujours te réveiller. 12 décembre 2054, 7h30. Nous sommes à bord d'un train privé à destination du quartier général de Coalescence, basé à Zurich. Nous transportons un prototype pour le projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. C'est-à-dire un logiciel d'IA spécialisé capable de se réécrire. Il pourra se connecter
à n'importe quel autre système dans le monde. À l'époque, c'était de la technologie de pointe. Ça allait révolutionner un beau paquet d'applications civiles et militaires. Enfin, ça aurait, si le train était arrivé à destination. À 7h31, un groupe terroriste provoque une explosion à bord de ce train. Des années de recherche en robotique qui partent. Ouais, mais normalement, je pense pas que c'est prévu qu'il y a cette merde là-devant. Pour empêcher ça. Un carreau. C'est bug. C'est pas réel. Avance, c'est impossible. Avance. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. En ce moment, t'es dans un coma artificiel avant de te faire opérer. T'as un nouveau composant dans ton cerveau. Une interface directe neuronale, IDN. J'en ai une aussi. C'est ce qui me permet de communiquer avec toi. Ton IDN est ce qui relie ton esprit à ton nouveau corps et au monde qui t'entoure. On est connectés. Tout ça n'est qu'une simulation dans notre esprit. Et t'as du pain sur la planche. Bon, les amis, ça fait plus d'une mission déjà qu'on est ensemble. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Je vais attaquer directement l'épisode 2. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site Facebook. Enfin, sur mon Facebook. Allez voir par le lien que je mettrai dans la description. Et mon partenaire aussi. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.